Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs de l'émission Lumière de l'Islam. You are welcome, Jabama Marhaban, sur la chaîne panafricaine Dash TV News, The Voice of Africa. Aujourd'hui, vendredi le 3 juin 2022, nous rendons grâce à Allah, nous parlerons de nouvelles thématiques. La valeur de la femme musulmane dans la société, Inch'Allah. Je serai accompagné avec mes consultants prémonants pour la psalmodie du Saint-Coran à l'arama Imam Mohamed Nasser Ladan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'extrême gauche, j'ai Imam Nasser Ladan. You are welcome. Après le Grand Nord, Koussiri, Garoua, Maroua, on t'a pris en direct de Garoua la semaine passée. You are welcome. Back. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Mohamed Kautel. Alhamdulillah, en yeti Allah, nos rémissions Allah subhanahu wa ta'ala. Na ite pia la pia, na da la pia, et je côtoyais vraiment des grandes personnes là-bas au Grand Nord. Mm-hmm. Et jusqu'au campement, jusqu'à la ville, il y avait des gens qui suivaient Dash Media. Mm-hmm. Et ils ont remercié, surtout avec la nouvelle émission islamique, c'est là vraiment, c'est de grâce, lumière de l'islam. Merci. Alhamdulillah, sans toutefois tarder. Oui, je te reviens, Inch'Allah. Oui. Et vous savez, je suis toujours accompagné par le califat pour l'Organisation islamique mondiale pour la paix et contre le terrorisme. Lui, c'est le professeur Ouba Razak. Assalamu alaikum, professeur califat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Kautal. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, vous me découvrez sur la casquette du califat, c'est-à-dire le représentant de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Je suis représentant au Cameroun. Merci, merci beaucoup. Et de ce côté, j'ai l'invité spécial. Aujourd'hui, nous sommes avec la femme. La femme, on a l'honneur. Vous savez, l'islam, il n'y a pas que les hommes. C'est pour ça qu'on a choisi une maman, une sœur, pour qu'on soit ensemble avec elle. Surtout, nous allons parler de la valeur de la femme musulmane dans la société. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajia Mayro Ali Adam Arab. Wa alaikum assalam. You are welcome. Thank you. Ni Hajia Mayro Ali Adam Arab. Et puis voilà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous sur la chaîne Dash TV pour parler de la femme musulmane, qui est très très important. C'est un domaine qui nous touche beaucoup. Et je viens en tant que présidente départementale ASIC. ASIC, oui. Association voilà. culturelle islamique du Cameroun. Du Cameroun. On m'a, comment dire, élu il y a, pas deux, il y a deux mois de ça. Oui, voilà. D'accord. Inch'Allah. On va revenir, Inch'Allah. Vous savez, chez nous, on prend toujours un verre d'eau. Alors, on va prendre des verres d'eau, on revient derrière. Merci. Masha'Allah, barka muda warhaka, barka muda dawa, wannan wato gidana mu Dash TV a cikin shirin wato Lumiere de l'Islam kuma ce hasken addini, hasken Islam. Yau za mu magana kan darajar mata wato musulmai a yau. Wato wata sai ana rena mana mata kuma iyayenmu mai darajar su saboda wannan ne muke nan da Professor Ouba Razak da kuma wato a karanta wato ko kuma ce shiga cikin Qur'ani saboda a fitar muku da yanda Allah ya ce muna nan da Imam ko kuma ce Allahumma Imam Muhammad Nasser Ladan. Bayan wannan kuma muna da bakuwar namu ita ba bakuwa bace amma gidanta ne nan Dash TV wato ta zo mana wato Hajia Mayro Arab Ali insha Allah zamu kasance da ita zamu yi tadi da ita anan shi da kuma da sunan Asif kuma ta shigo mana gida insha Allah muna gaida dukkan wato da president da kansa ina jinjina maka president da duka dai wanda suke aiki tare da ku insha Allah me yofno on fu modon bandira e la robe men ha on goni fu ande duniya hande do min don yauti da ko lare ni wato daraja robe fulbe ha zamanunu do on andi robe ji amen yake fere be do lare bana be yottaki amma hande don yautan ko lani do man ko do lare do man bo mi do wato be professor Ouba Razak be imam Nasser Ladan e ko lando ban bo min waddi debbo on wato maudo on yewti dan be mako insha Allah ha min jami no samodi nous allons aller prendre le samodi de la semaine avec imam Mohamed Nasser Ladan on revient derrière.
Samedi de la semaine que nous commençons toujours dans cette émission, c'est l'imam Mohamed Nasser Ladan. Assalamu alaikum, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, mushiba chiki. Naam. Yaw nang sura mu suratul Isra ini, suratul Isra en français qui veut dire le voyage d'une nocturne. Et comme à l'accoutumée, nous allons nous attarder à partir du 22e verset jusqu'au 28e verset, vu notre thème qu'on a pris aujourd'hui en ce qui concerne la valeur de la femme musulmane dans notre religion, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وخفض لهما جناك الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Da jin wato wannan kiraha amma kafin mu dawo wajen professor Ubarazak zamu shigar da bakuwar damu wato a cikin gida zamu yi mata tambayoyi nous sommes avec l'invité spécial nous revenons à vous vous êtes une grande dame qui fait beaucoup pour les femmes musulmanes et ces valeurs de la femme musulmane qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces valeurs aujourd'hui mon cher ce que j'ai à dire déjà je voudrais rappeler aux uns et aux autres que l'islam a valorisé et honoré la femme. Donc, notre devoir, c'est d'accompagner ces femmes-là. Malgré que je sois aussi une femme, je fais ce que Dieu a demandé. Et la femme, ce n'est pas derrière les fourneaux, non. Une femme peut faire beaucoup de choses, tant qu'on lui donne des moyens. Et les moyens, pour moi, on va en développer un peu plus tard, pendant que nous sommes en train de causer. Mais l'islam n'a pas dit à la femme musulmane de rester derrière, non. Il a ouvert toutes les portes à la femme musulmane. Mais avec certaines conditions que chacune de nous doit vraiment respecter. Voilà. Nous avons constaté que vous luttez beaucoup pour les jeunes filles, surtout les jeunes filles qui sont violentes. Oui, on essaie de faire ce qu'on peut faire parce que les filles sont vraiment délaissées. On peut dire que nous sommes des orphelines. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, c'est vraiment sidérant. Vous voyez des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, maxi 20 ans, qui sont laissées à elles-mêmes, qui sont dans la débauche totale. Il n'y a personne pour les encadrer. Nous manquons de beaucoup de choses pour l'encadrement de nos jeunes filles. Et moi, si je suis aujourd'hui présidente départementale à SIC, c'est que j'ai une vision qui s'accompagne avec celle de mon président. Oui. Voilà. Et j'ai son soutien sur beaucoup de choses. Et on a une autre vision de ce que c'est que la femme aujourd'hui dans notre communauté. Je n'ai pas coupé parce que j'ai constaté que pour une première fois, que j'ai constaté que ASIC travaille déjà main à main avec les femmes. Même, bien sûr, ils ont tellement travaillé, mais cette fois-ci, c'est une autre couleur. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Dans la SIC, c'est une vieille institut qui date de plusieurs années. Et le président actuel a pensé qu'il faut valoriser la femme. Il faut permettre à la femme d'avoir son épanouissement dans l'islam. Et c'est même dans les statuts de ASIC. Donc, c'est à nous maintenant de voir comment nous allons arranger et organiser les choses. Voilà.
Merci bien, Zamboudje Moudoki, Wato, professeur Oubarazak. Nous allons aller prendre le professeur, ou je vais dire le califat, et l'espiritualité du jour, Inch'Allah. Oui, nous allons aller prendre, comme j'ai dit tantôt, lui, c'est le califat, professeur Oubarazak, du côté de l'espiritualité. Assalamu alaikum, une fois de plus. Naam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci encore une fois de plus à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette grande émission Lumière de l'Islam. Donc aujourd'hui, comme vous avez compris, la thématique du jour, la valeur de la femme musulmane dans la société. Et vous savez déjà, avant qu'on entre dans le vif du sujet, nous allons parler de la valeur des parents. Parce que c'est partant de la femme que alors nous avions des parents. Et Dieu nous dit quoi dans le Coran? Parce que Dieu nous dit de respecter nos parents. Parce qu'à nos jours, nous constations que beaucoup de la jeunesse, beaucoup de jeunes désobéissent ou bien n'honorent plus leurs parents, comme cela a été révélé par le Créateur Tout-Puissant. Parce que les parents ont des valeurs spirituelles, thaumaturgiques et des valeurs même spirituelles sur nous. Parce que la malédiction d'un parent peut nous causer des torts si on le désobéit. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran? Comme vous avez compris, Imam Nasser l'a lu, je veux encore le relire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Idi a'ouzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. » وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاعْفِظْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Donc ici nous allons entrer dans cette traduction d'abord. Allah nous dit: ton Seigneur t'a ordonné de n'adorer que lui, de bien se conduire avec ses pères et mères, encore plus dans leur vieil âge. Garde-toi de tout écart de langage ou de leur contredire. Parle-leur avec respect. Donc, kaoulen karima. Donc, il faut parler aux parents avec respect. Nous ne sommes pas cette société où lorsque les parents vieillissent, on les amène dans les cases ou les maisons de retraite vieillesse. Donc, l'islam nous demande, quel qu'en soit votre âge, et quand vos parents vivent, quel qu'en soit leur âge, vous allez leur donner toujours du respect. Donc, c'est ainsi que Allah nous dit, il dit, « Wahafiz lahum al-junah al-zulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani sagira. » Il dit, « Montre-toi humble et tendre envers eux. » Donc, aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se sont déconnectées des parents, qui vivent sans à l'heure, peut-être dans de grandes agglomérations, oubliant les parents souffrant au village avec des rhumatismes, toutes sortes de maladies. Et les parents sont en train de quémander, tandis que l'homme est en ville, il joue sa vie. Et Allah nous dit d'être tendre envers eux. Et il faut dire, Seigneur, reçois-leur dans le sein de ta miséricorde pour ma voix, n'est-ce pas, élevée. Donc, il dit, « Ur Rabbi arhamhuma kama rabbayani sagira. » Donc, à tout moment, nous allons prier pour nos parents, que Allah leur reçoive au sein, n'est-ce pas, du paradis, comme eux-mêmes, ils nous ont élevés. Donc, nous n'allons pas, même s'ils sont décédés, parce que ce qu'on appelle « sadaqatul jariya », cela veut dire laisser un enfant vertueux
qui, après le départ ou le décès des parents, doit faire des prières en la mémoire des parents, ou après le décès des parents, doit tenir l'héritage que les parents ont laissé. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, après le décès des parents, on les enterre, on les oublie au cimetière. On n'arrive même pas à les débroussailler. Vous comprenez, donc c'est nécessaire, comme actuellement avec l'association ASIC, il y a, et d'autres associations aussi, il y a quand même mobilisation où les gens travaillent au cimetière et où même on demande aux fidèles musulmans de contribuer pour encore la construction et même mettre une clôture au cimetière. Tout cela, ça fait partie de Sadaqatul Jariya. Donc, vous comprenez, donc il faut obéir aux parents. Il faut qu'après leur décès, on s'occupe de ce qu'ils nous ont laissé comme les maisons. Il ne faut pas qu'après le décès des parents, on se met à vendre l'héritage. Peut-être même aller vendre le lit conjugal où les parents nous ont, n'est-ce pas, où ils se sont accouplés. C'est ça qui amène aussi beaucoup de malédictions. Donc, c'est ainsi que Allah nous dit « Rabbukum a'alamu bima fi nufusikum wa in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura » Allah nous dit « Nul mieux que votre Seigneur pénètre vos consciences. Si vous êtes bon, il sait, il respecte toujours, n'est-ce pas, les repentis sincères. » Ici, les repentis sincères, c'est-à-dire lorsque vous connaissez, lorsque vous suivez cette émission aujourd'hui et que vous vous rendez compte que vous avez laissé les parents à l'extrême nord et qu'ils n'ont rien à manger, déjà dès ce soir, appelez-leur pour dire « Maman ou papa, pardonne-moi, si même je vous ai oublié, pardonnez-moi. » Donc, vous voyez, c'est une repentie et maintenant, dans la semaine, vous les envoyez même pas les mobiles, de l'argent, donc, ou bien des biens. Donc, ne pas abandonner les parents. Donc, ils ont souffert pour nous. Donc, c'est ainsi que Allah suit encore, il nous dit « Wa'atizel qurba haqqahu » Il dit « Remplis tes obligations envers les proches, n'est-ce pas, wal miskin, les pauvres. » Donc, le musulman ne devra pas voir un pauvre galérer, souffrir et aussi s'appuyer sur la misère du pauvre. Ici, on interpelle les musulmans qui sont dans la fonction publique, qui travaillent pour le public. Et que quand quelqu'un vient peut-être pour un service, on fait de la corruption. C'est-à-dire, là, on opprime le pauvre. Et tôt ou tard, il y a ce qu'on appelle la force du karma. Peut-être vous serez en retraite et vous serez misérable. Et que c'est ce pauvre que vous avez opprimé qu'un jour, il pourra vous faire du bien, même vous retirer dans une situation. Il dit « Wabini Sabil », n'est-ce pas, et aider les voyageurs. Parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui se déplacent, comme Imam Nasser sort de l'extrême nord pour venir participer à l'émission. Ça pouvait arriver en route qu'il a perdu toutes ses provisions, qu'il a été même agressé. Donc, le musulman devra assister les voyageurs. « Wabini Sabil »« Wala tu baziru tabzira » Donc, ici, on nous dit « Les prodigues sont... » Non, Allah nous dit « Ne sois point prodigue. » Les prodigues, c'est-à-dire ce sont ceux qui gaspillent. Donc, quand les parents vous maudissent, vous voyez où ce que le verset chute, vous pouvez être maudit par les parents. Vous venez vous épouser une femme, qui cette femme serait des rivales avec vos parents, ou bien vous épousez un homme qui sera rival avec votre parent, qui doit vous arracher, insulter le père, insulter la mère, manquer de respect, ou bien une femme, chasser la mère, chasser le père, et vous amener loin, vous viviez à 100 à l'heure un jour, dès que vous êtes ruiné, elle vous abandonne et vous êtes, n'est-ce pas, sans domicile fixe. Donc c'est ça qu'on dit, ne dépensez, ne soyez pas, n'est-ce pas, des gens qui sont, qui dépensent, ne soyez pas des prodigues, c'est-à-dire des gens qui dépensent d'une autre manière. Donc, on nous conseille ici de dépenser sur le bon chemin, comme les constructions des mosquées, des hôpitaux, et des centres de santé islamiques.
des foyers, voilà, tout cela. Et avoir même des plantations islamiques. Donc, dernièrement, nous avions dit qu'il y a une prolifération de mosquées dans une seule place. Donc, il y a des endroits comme, par exemple, à Tchang, d'où je suis l'un des natifs. Actuellement, on est en construction de la mosquée centrale de Tchang. Donc, ceux qui ont de l'argent peuvent même envoyer là-bas. Ça fait partie de Sadaqatul Jariya. Hein? Et en dehors de ça, il y a beaucoup d'endroits. Mais nous voyons souvent, mon cher Kautal, on se mobilise sur une seule place et c'est comme si c'était une concurrence. Donc l'islam ne veut pas cela, on doit se diversifier. Donc c'est ça que Allah nous dit, que, n'est-ce pas, il nous dit wa imma turidanna anhum tiga rahmati min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Donc il nous dit, si tu t'éloignes de tes semblables pour vaquer à tes affaires, et pour eux, un mot aimable. Donc, si on doit se séparer, on doit se dire assalamu alaikum, au revoir. Donc, le musulman ne doit pas être un homme toujours tendu. Et c'est cette tension qui fasse que ceux qui ne connaissent pas l'islam nous prennent comme pour des fondamentalistes, pour des fascistes. Non, nous sommes des gens de la paix. Assalam. Non. J'ai une question. Spirituellement, c'est-à-dire, vous savez quand on parlait de ce côté de la spiritualité, c'est-à-dire, quelle est la place de la mère en islam? Oui, mon cher Kautal, ce que tu as parlé, déjà, on a une mère sur le plateau. Et vous savez, quand vous la voyez, elle est seule sur sa place. Donc, la mère dans l'islam, elle est respectée. Mm-hmm. Et la mère a trois dimensions, plus que le père, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, la dimension de la mère a trois degrés. Parce qu'un jour, le prophète, étant assis sur sa mosquée, un de ses compagnons est entré et dit « Oh prophète, parmi mes deux parents, à qui je peux faire plus du bien, à qui je veux servir ?» Il dit « Man ahakou bi khusnil subhati » Le prophète dit « Kala ummuka » Le prophète dit « Ta mère ». Ta mère. Il dit encore « À qui ?» Il a fait semblant de ne pas comprendre. Le prophète a dit « À ta mère ». Il se retourne encore. Il dit « À qui, prophète, je peux encore faire du bien ?» Peut-être il avait un penchant pour son père. Le prophète a dit « À ta mère ». Et en troisième position, en quatrième même, le prophète a dit « À ton père ». Donc c'est ça qu'on dit. Quand la mère te fait une bénédiction, ça dépasse pour imam. 50 fois. C'est pour cette raison que quand on prend du Seigneur, fasse que nous nous séparons de nos parents en paix. Et lorsque la mère te maudit, elle dit, tu dois voir. Tu vois, tu verras. Donc c'est pour cette raison que la mère, nous avions vu dernièrement le président de Turc, Erdogan. Oui. Chaque vendredi, avant d'aller à la mosquée, il part d'abord s'agenouiller devant sa mère, il caresse le pied de sa mère, il amasse. Vous comprenez, c'est une bénédiction. Vous comprenez. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui précipitent même le décès, la mort des parents pour vendre l'héritage. Donc, tu vois, la mère a une valeur. Donc, respectons nos mères. Et surtout, mon cher Kautal, avec la génération d'actuelle qui sont androïsées et qui sont chaque fois sur hasard. Oui, quel conseil que vous pouvez donner à ces jeunes? Oui, à ces jeunes, vraiment. Vraiment, quand ils sont sous azab, lorsque la mère appelle, il dit « ouf ». C'est ainsi qu'on dit « voilà, il y a encore ce verset là, Nasser ». Voilà. Donc, « voilà, taqullahuma ouffin ». Donc, ne dis pas aux parents « ouf ». La mère appelle, dit « Ali, tu es dans le azab ». Tu dis « ah, ne m'ennuie pas ». Vraiment, c'est une malédiction. Et ça peut jouer sur le karma. Là, jusqu'à la troisième génération. Quand vous grandissez, peut-être vos enfants vous fassent comme ça. Un jour même, ils mettent le poison sur votre nourriture pour vous éliminer. Donc, respectons les parents. Mashallah, merci, professeur Oubarazak Khalifa. Nous allons aller maintenant prendre l'actualité de la semaine avec nos correspondants de différents coins. Assalamu alaikum.
Nyalomare nogas e go e lewru me hitande ujune didi e nogas e didi. Jalli del musulman ji litoral hauri al ummatore ngam hebugo kautal hore e de ende. Ardi do moftirde man, Imam Malik Farouk Imam Moske Central. O wolwani derke en ngam daitugo mode mode be wiwi ngam hebugo de ende les dimen kamaru. Do on kubaruji min waddani mon min momodon Rabi Dammalam che jumpare warande Muhammadu Kautal emission lumière de l'islam eto abaton rabon yimar da kuke gani moyo mu suke yi take yi ba a guri daya bane wannan yana daga cikin wato niyan shi president national Muhammad Murtala da ya dauki alkawarin cewon ko ta yaya zai taimaka ma al'umma ko ta wani hanya shi sa kuka gani shanin rabon imar nan suke an yi shi a Yaounde an yi shi a Kribi an yi shi a Garwa an yi shi dan guri guri dai jefe jefe an yi ko ta dina dai wannan turduwala ne kuka gani aka je aka yi ladin da ya wuce nan eh to ka san niyan duk wanda ma inna mal amanu bil niyat duk wanda yayi niya to shi ya cika ta to komi yaya dai Allah ya riga karfin niyan ko da baka cika ba tunda ka yi niyan to Allah ya bada karfin cikawa mun ga cewa mu ya muna tallafa taimakawa abin da ya gano musulunci eh shine ai kaman wannan ne ai batu musulunci ne kaga ana zuwa ba mu ƴan mata himar da za su samu su kifa su rufe tsaraci su suje makaranta kafin kuma mu ya mu ta yi tunanin akan mazaje don ba mu san muna tunani dai akan na ƴan mazaje don kar su mazajen su ga cewa an zo ana ba mu mataye su kuma ba ba su kaga shi abin ya zama to muna tunani su ma mazajen me za iya tuna da za iya yi musu masha Allah masha Allah masha Allah barkamu da dawa a cikin wannan gida shirin da muke kira wato hasken addini wato ko kuma ce lumiere de l'islam mi hofne onon fu mo don be lorta ko wato hander sare man hande don wolo ko lari ni wato robe daraja robe hander addini amen insha Allah. Nous allons revenir à vous, maman, parce que chez vous, comme j'ai écouté selon les imams, il faut respecter la femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. Et quel est vous, parce que la semaine passée, nous avons organisé tout un séminaire autour des femmes. Vous pouvez nous parler. Assalamu alaikum. Encore une fois. Voilà. La semaine passée, on a une association qui est une association de femmes musulmanes qui date depuis 25 ans à Sfedim, Femmes Dynamiques. Donc on a essayé de faire des séminaires, des colloques, on a eu des débats médicaux, des débats islamiques. En fait, notre colloque qu'on a eu, c'est pour amener les femmes à vraiment comprendre que la femme musulmane n'est pas seulement bloquée à la maison, que beaucoup de choses peuvent se faire, qu'elles soient mariées ou non mariées. Donc on a un contrat avec un cabinet, Bukolo and Partners, et on a le devoir de former plusieurs femmes. Et je pense aussi la Chambre de commerce est en train de nous amener aussi à former des femmes dans plusieurs domaines. Donc nous-mêmes, on est partis, on s'est fait former déjà et dans le plan de business plan et dans l'entrepreneuriat. Donc maintenant, avec ça, maintenant, nous-mêmes, on a compris notre besoin. Parce que beaucoup de femmes chez nous, elles font des jus dans des bouteilles, on ne modernise jamais quelque chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que la façon dont on le vend, je peux dire traditionnellement, les mêmes clients, on peut l'agrandir en cherchant des clients plus... Donc, on nous a appris comment on peut chercher des partenaires, comment on peut avoir de l'argent, même si on n'a pas l'argent pour pouvoir moderniser notre jus, que ce soit notre conseil, makala, n'importe quoi. Mais toujours, on constate seulement que la femme musulmane, elle reste toujours fermée. Elle n'arrive pas à grandir. Nos mamans, nos grands-mamans ont fait le même commerce depuis des années. Mais il n'y a pas d'ouverture, c'est toujours fermé. C'est toujours entre nous, dans les communautés. Et quand tu vois d'autres essayer de faire, mais ils ne font pas exactement comme nous, parce qu'ils n'ont pas la main pour la faire. Pourtant, nous, on a un savoir-faire, mais qui est caché à la maison. Moi, je connais beaucoup de femmes qui ont marié des 6, des 7 filles. Et vous savez ce que veut dire marier des enfants chez nous. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est à base de ces petits jus-là qu'elles vendent. Mais imaginez alors qu'un jus qu'elles vendent peut-être à 100 francs
et qu'elle elle arrive à arranger son business et tout, elle vend peut-être à 300. Elle va avoir beaucoup d'argent. Mmh. Voilà, donc il y a tout ça. Et on fait souvent le commerce aussi, on tourne en rond. Mmh. Oui. On oublie que, bon, on a notre argent de voyage, on a nos dépenses, on a aussi l'argent du commerce. Mais nous, on mélange tout. Tu vas voir une femme, elle tourne seulement en rond. Elle voyage depuis une vingtaine d'années. Mais elle fait la même chose seulement, elle tourne, elle tourne. Oui. Donc, ce qu'on a eu avec Bicolo and Partners, c'est nous ouvrir un peu la tête, nous faire grandir aussi et puis amener aussi d'autres aussi à faire comme nous. Essayer de grandir et c'est pour le bien de notre communauté. Ça, vraiment, c'est une formation parce que nous avons constaté que nous, les musulmans, on n'a aucun foyer ou centre qui peut aider ou former nos jeunes filles ou nos jeunes... Ça, c'est un problème qui me tient tellement à cœur. Oui, c'est un problème qui me tient tellement comme à cœur. L'imam a dit, il y a des mosquées, mais on ne... Mais vous pouvez imaginer que nous, dans la communauté musulmane, depuis des centaines d'années que nous sommes ici au Cameroun, on n'a pas un hôpital typiquement vraiment pour nous. On n'a pas des foyers où on peut avoir des formations, même pour nos jeunes filles. Nous, quand on a des réunions, on cherche la maison de telle pour aller faire. Mais toutes les communautés qui sont ici à Douala ont leur foyer. Les plus petites communautés qui sont ici à Douala, les Bamléké qui viennent de loin, ont leur foyer. Pourquoi nous, on n'a pas de foyer? On n'a pas un centre où on peut dire, OK, on a des enfants qui prennent la drogue, ils n'ont pas de travail. On peut créer, on a beaucoup de riches dans notre communauté qui peuvent dire, OK, on fait le sadaka. OK, celui-ci donne un montant d'argent, celui-là donne. On essaie de faire un truc qui va ramener nos enfants dans un cadre vraiment sain. Bon, c'est vraiment pathétique et ça fait très mal. Et moi, quand je parle, les gens disent, oh, toi, tu n'as même pas d'enfant, tu as un seul enfant. Je dis, tous les enfants sont des enfants. On n'a pas besoin d'avoir 10 ou 20. Un enfant, même si on n'en a pas, on sait que demain, quand on va vieillir, c'est toujours ces jeunes-là qui vont s'occuper de nous. Pourquoi ne pas faire un cadre? Arrêtons de construire les mosquées partout. Créons des choses qui vont nous avantager. Pourquoi nous, on est toujours derrière? Il faut qu'on se pose la question, que ce soit nos femmes, que ce soit nous-mêmes, nous sommes toujours derrière. Et c'est dommage. Pourtant, on a tout pour avancer. On a des moyens, on a l'argent pour faire ça. On a la masse pour faire du n'importe quoi. On peut. Bien sûr. Mais malheureusement... Ok, je vais vous revenir. Nous allons aller. On m'a annoncé que le correspondant de Yaoundé est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamman Debuzi depuis Yaoundé. Assalamu alaikum, famille lumière de l'islam. Ok, évidemment, c'est juste de parler sur le thème concernant la femme musulmane. Il s'agit de la valeur de la femme musulmane dans la société. Et bien, la valeur, on fait référence, n'est-ce pas, à nos coutumes, à nos mœurs, à ce que les femmes musulmanes. De quoi elles sont capables. Elles sont en train de parler donc de la valeur de la femme musulmane. Bon, on fait référence au Cameroun, dans la commune de Mukolo, il y a une association de femmes qui font le ménage dans les quartiers chaque jour. Il y a une initiative qui a fait en sorte que toutes les femmes musulmanes de chaque quartier, chaque samedi, pour balayer les routes, pour mettre la propreté dans la ville nord. Ceci est un engagement de un projet donc, qui a fait en sorte que les femmes doivent s'unir dans le sens, n'est-ce pas, une propreté dans la ville. Plus loin, on voit que femmes du Grand Nord ou les femmes musulmanes qui voyagent les grandes villes dans les grands pays, à l'exemple des voyages, de commerce, etc. Parce que on regarde déjà que cette femme regorge, par exemple, lorsque la semaine passée, l'association des femmes musulmanes du Grand Nord, ce sont l'arrondissement de Yaoundé premier, a étudié. C'était pour parler donc de mobilisation autour donc de l'éducation pour que l'enfant ait une éducation très importante dans la société. Ça apporte donc à la valeur de la femme. Je suis Haman Adama à Yaoundé. Merci à toi, Manadama, notre correspondant en direct de Yaoundé. Masha'Allah, on revient là. Et
zabarin dauki imam Nasir Ladan kila akwai abin da ƙara da halcin mu ta Hausa akan tadin mu na yau nan wato darajar mata a cikin addinin mu na musulunci eh abin da zamu ƙara ciki shine wato kaman da hajjiya ta faɗa nan muna nan tare da ita mai representing ASIC ta yi magana abubuwa da yawa wato cewa yau idan ka lura ana haduwa masu kudi duka babu orientation guda daya kowa ya tashi kaman da tayi magana cewa wannan zai gina masallaci wannan zai gina masallaci wannan zai gina masallaci eh Allah long yanzu shi mu zo mu samu masallatai na da yawa kasan idan babu tarbiyya ya za ja sallah ba za ja sallah ba bayan ba zakenan makarantu ne kuma da asibitoci kaman da ta fada shi sa muke goyon baya sosai aikin da ASIC take yin nan saboda suna kawo mana orientation ne akan yanda za a yi abude babban jami'a na islamiyya na biyu kuma yanda za a yi an samu babban asibiti na musulunci kaga yau a ce wai matar ka za ta tafi asibiti a ce wani gende ne zai zo kula da ita babu dadi saboda haka abin da muke ƙara ciki muna jan hankali ga dukkan yan uwan mu a hadu a samu orientation wato hanya guda daya da za a samu solution akan wannan kaga asibiti kaga jami'o'i to masha Allah mun yatsima mun don lorta fayin bai danga furfurde amma da komin lorta min hosa wato professeur Ubarazak professeur Ubarazak qu'est-ce que tu pourras nous ajouter encore sur ce que tu as écouté notre maman nous a dit oui ce que Adja vient de dire c'est très pertinent parce que nous sommes dans une grande communauté parce que lorsqu'on dit la communauté musulmane en chiffre de personnes voyez seulement le jour de la fête, que ce soit du Ramadan, exactement. Que ce soit la fête de sacrifice. Voyez l'affluence dans tous les ruelles, le coin et les recoins de la ville de Douala. On a au moins ces 3 millions d'habitants. Mais vous partez au fin fond de Mambanda, vous trouverez les musulmans. Au fin fond, là-bas, à village, vous trouverez. Dans tous les villages et les villes du Cameroun, il y a des musulmans. Donc, nous avions une grande population, mais nous sommes démembrés, dépourvus. Nous n'avions pas un centre ou bien un hôpital digne de ce nom. Comme peut voir l'hôpital islamique, je me souviens, moi je suis dans le domaine de la santé. Ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il y a eu un fonds saoudien. On nous a appelé à la délégation régionale de la santé. Eux, ils voulaient investir, subventionner les hôpitaux islamiques. Wow. Arrivé là-bas, on a eu des hôpitaux conventionnels, protestants, catholiques. Nous, ce n'est que Cheikh Moubarak, s'il nous écoute, il nous écoute, et aussi l'autre qui est à KDD. Oui. Malik le docteur Ali donc oui. Vous voyez il y avait que Ali, deux justement. Hôpitaux minoritaires ils n'ont pas eu ce fonds on a fait tout le tour du Cameroun on a vu que c'est en Ngaoundéré qui a l'hôpital qui a quand même le standing hein? Vous comprenez c'est donc nous exhortons nos frères d'investir dans des écoles. Nous remercions beaucoup l'action d'ASIC parce que déjà on a un collège islamique et des Al-Hadji Ibrahim à Newton Aéroport. Voilà déjà des personnes, deux, peut-être sur 1000 musulmans. Ici à donc, ouais, donc nous demandons de faire l'effort pour que nous ayons notre université islamique. Que d'aller à l'étranger apprendre, parce que nous, on ne critique pas les études de l'extérieur, parce qu'eux, ils nous enseignent selon leur mentalité. Exactement. Et quand on revient, ce n'est plus en compatibilité avec nos mœurs et nos réalités, ça, c'est terrain. Vrai. Et c'est ça qui amène souvent l'intégrisme, souvent les condamnations, les divisions. Exactement. Parce que l'homme qui a fréquenté, exactement. Peut-être en Arabie Saoudite,
il doit contredire celui qui a fait ses études peut-être en Turquie. Turquie, ouais. Et c'est ça qui amène nos divisions, les mosquées que vous voyez. Ouais, différentes. Parce que s'il doit dire, non, moi, je suis de l'Arabie Saoudite. L'autre qui est de la Turquie, il doit, celui qui sort du Soudan. Ouais. Hein? Donc, vraiment, tout à fait. Déjà, nos élites essayaient de faire tout et tout pour que même à l'Assemblée, il y ait un réseau parlementaire chargé des affaires islamiques. Parce que nous, moi je suis traduit praticien, oui. Mais on a lutté, on a déjà un réseau parlementaire chargé de la médecine. Que vous représentez. Que je représente, je suis secrétaire technique. Donc ça, même chez nous, les musulmans, on a beaucoup de musulmans à l'Assemblée. Il faudrait qu'il y ait un réseau parlementaire chargé de la médecine. De la religion islamique, tout à fait. Voici l'affaire de la Mecque maintenant. Il y a beaucoup de divisions. De problèmes. Parce qu'on dit Watasimu bihablillahi jami an wala tafarraqu. Donc vous allez comprendre, chacun va de son côté. Mais s'il y avait un réseau parlementaire chargé de ça, de cette médecine, les gens vont s'asseoir à table, chercher, retirer, n'est-ce pas, un code. Des lois. Donc, tout à fait. Merci bien. Nous allons maintenant aller prendre la question des téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde entier. Moudjemu, Doketemboye Moudao. Mashallah. Salam alaikum, les musulmans de la communauté islam. Donc, je vous salue vous tous à propos de vos émissions. À vrai dire, ça nous plaît. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup de choses à l'ONU. À la bête de Bastira de Kugal Majum. Inch'Allah. Et toi, t'es rêvé, mais Julien Majum. Là, vous ne ferez pas de mari MDM7. Watu robi amin uku amin robi juta lo bedude yidu ko bana dadirabe amin boyma dadirabe amin boyma do bedo jori da be babbi raza min jummi do min tawdi be ko be mede wala do gite amin amma uku amin juta lo hunde majum warti sibe kilo ya taw dada be baba taw be do haba Vous ne m'avez pas aidé là. Aussi, nous avons un drac été en l'arrêt de Bassira Ingani Sam et de Hala Majum. Voilà, il y a un mot médité présent au Gorium de mon Bingel Aladi Bala Hamza et voilà, il y a un mot Gaba qui est mort. Masha'Allah, Mnyetima Yakubu Hamza Hagarwa nous te remercions. Il nous appelle ou il nous a posé sa question en direct de Garwa. Bari Moudao, Haminyo, t'as tembe full de thème à Djabo de Hausa. Kunji tambo yoyin sa kapunda miki kila da pulatanci ko professeur ko zai bashi ansa a cikin tamboyin da na sai zai ba da amsa. To min don jamin ne. Dia nyata dah inhab dah inhab dah benar mata buat tu. Waktu halat tu presisium ang problem gotel on. Problem mai deh lah bas on. Waktu halat ilm. Gotu de motomari ilm. Kata dah habituat kujeji. Kujejotelo. Nah nara waktu deh lah bas. Ifu ku concentra en hoka éducation éducation de base gam éducation mais on do rattrape ami andi a lara goddo mauni amma hakkilo do wala de la base ko ato seul problème je miete na do ala ilm on so minyeti peut-être vous allez ajouter quelque chose à la question du téléspectateur sur l'éducation aujourd'hui de nos jeunes. Quand il grandit, vraiment, ce n'est plus l'éducation des bases, on a un problème. Voilà, et moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, c'est un truc qui est vraiment désolant de constater. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller pas possible. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Vous voyez, les jeunes filles d'aujourd'hui, à peine elles ont 15 ans, elles sont libres de faire tout ce qu'elles veulent. Les parents laissent les filles faire du n'importe quoi. Et c'est comme ça que la débauche rentre dans la maison. C'est comme ça que l'enfant grandit sans respect. Nous, il y a des choses qu'on ne faisait pas à notre âge. Quand on avait ces âges-là,
Aujourd'hui, vous voyez une fille de 15 ans qui doit être peut-être mariée, mais elle a un comportement de grand-mère. Et la faute à qui? Aux parents et surtout à la maman. Moi, j'attire toujours l'attention parce que le père ne reste pas à la maison tous les jours. Il va au travail, il va chercher l'argent, mais c'est la femme qui est à la maison avec ses enfants. Mmh. Tu vois une fille avec un téléphone de 500 000. Elle ne travaille pas 500 000. Elle a eu le téléphone de 500 000 comment? Il faut expliquer. Tu vois une fille à mariage, elle a peut-être 10 tenues pour un mariage qui va durer peut-être 3 jours. Elle a eu l'argent là-haut. Éduquons nos enfants, éduquons nos filles. Et la fille, c'est elle la mère de demain, sera la grand-mère d'après-demain. Mmh. Donc s'il n'y a pas une éducation de base, c'est foutu. On ne peut pas se rattraper. Ok, merci cette émission. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, l'émission, c'est quand c'est sucré que... Je dis, mais c'est toujours ça. Et ils nous ont demandé, vous pouvez ajouter. Non, on va arriver, Inch'Allah. Et on aura besoin de vous à chaque fois. Je ne sais pas si vous aurez le temps de nous accompagner suivant. Inch'Allah, surtout Inch'Allah. Surtout pour la voix des femmes. Inch'Allah, on va essayer de faire le maximum possible parce que c'est nos voix que vous allez aussi porter. Parce que nous voudrons que nos sœurs aussi qui sont à la maison, qu'elles nous regardent, qu'elles disent, ah, donc telle chose est possible, telle chose est possible. Ok, parce qu'on a des filles qui vont à l'école. Mais après, à peine elle va à l'école, à peine elle se marie, à peine le mari l'empêche de continuer les études. Pourtant, s'il a laissé aller à l'école, c'est une autre femme bien, bien accomplie demain. Et puis après, d'autres même, c'est le mariage de 3 mois, 6 mois. Après, on te renvoie la fille à la maison. Vraiment. Inch'Allah, nous, on sera toujours là. Que ce soit moi ou mes membres de bureau, tout le monde, nous, toutes les femmes pourront passer. Du moment où on va les appeler, on viendra parler pour notre cause. C'est ça, lumière de l'islam. C'est pour ça que Dash Media a réfléchi pour cette émission, lumière de l'islam. Donc, mon cas où je suis en Chérie. Je suis en Chérie, je suis en Chérie, je suis en Chérie, je suis en Chérie, je suis en Chérie. Shuwagabanninmu kun ga mun ba da muhimmancin mace ya zamana duk abin da za a yi tafiya da mata ana so a samu nasara don sun iya jan hankalin mutane masha Allah khalifa mu kawo kashe eh gaskiya lokaci ai gudu yau vraiment merci beaucoup. Et vous savez, je vais toujours embrayer sur la thématique et sur Adja, ce qu'elle a dit, parce que Dieu a aimé beaucoup les femmes. Parce que dans le Saint-Coran, il y a une sourate intitulée An-Nisa, c'est-à-dire les femmes. Ouais. Donc vous voyez, c'est parce que la femme a une valeur spirituelle. On dit la femme, c'est la mère de l'univers. Et les enfants, comme on parle, on dit toujours la langue maternelle. On n'a jamais demandé la langue paternelle. Donc nos mères, nos sœurs, rentrons à l'école. Civilisons-nous. Et la civilisation est là. J'ai quelque chose à ajouter. D'accord, quelques secondes parce que nous sommes arrivés à la fin. Ah, ok, d'accord. Je voudrais dire merci à Dash TV de m'avoir invité aujourd'hui. Et je dirais merci à mon président national et à ma présidente aussi qui est Hawa Sherif. Je dis merci à tous nos téléspectateurs et je vous dis merci à la prochaine fois. Merci. Et on rediffuse cette émission mercredi à 16h, Inch'Allah. Et on sera ensemble la semaine prochaine. C'est Lumière de l'Islam. Je suis Mohamed Kautal, Madi.